Bonjour les camarades. Nous sommes le 8 septembre 2016 et nous nous trouvons à proximité du sud du bassin du Port-Est Réunion. Alors aujourd'hui, nous avons sous nos yeux le Nordic Hong Kong. Alors du côté de notre quai, nous avons aussi le HH Suff, un petit porte-container qui va peut-être se débrouiller tout seul pour remplir et vider ses soutes. On dirait qu'il y a un regain de la végétation florale. Ça a commencé ces jours-ci, mais il y a beaucoup de boutons de fleurs. Alors il y a un remorqueur qui part. Quel bateau va-t-il accompagner? Je crois bien que ça peut être celui-ci qui est sur l'eau là-bas. Le Hog Autoliner est toujours là et il met un temps certain, malgré sa petitesse, à délivrer tous ses véhicules. Pourtant, c'est pas le plus grand des autoliners. Il y a quand même pas mal de véhicules. Alors à part le Hog Autoliner Trapper, on dirait bien que ce sont tous des nouveaux du jour, là, le HH Suff. Là-bas c'est le MSC je ne sais quoi, et donc le Nordic Hong Kong. Allez, on va essayer de voir quel est le nom de ce MSC quelque chose là-bas. On y va. Voilà, le porte-container ici, c'est donc le MSC Ilona. Il semblerait que le rythme de la méga barge Zurich s'est accéléré puisqu'elle est déjà partie là. Elle n'est plus là dans le coin. Allez, on va essayer de descendre un peu, se rapprocher.
voilà au quai céréalier avec toujours notre vraquier Dharani Nari près des cheminées de la centrale électrique. Voilà les silos à céréales ici. Et on peut s'apercevoir que notre ami la méga barge zourite a disparu pour l'instant. Il me semble qu'on en a vu assez pour aujourd'hui, non? On va donc prendre la poudre d'escampette. Allez, on quitte les alentours du port Est et on se dit à la revoyure, Under the Sun.